Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas seul, je suis avec Mohamed. Le beau gosse frère. Non. C'est un peu. On revient doucement sur la chaîne, beau gosse, non. Okay. Pas pour l'instant, d'accord. Bref, aujourd'hui, enfin tout de suite là, juste là je viens de finir la vidéo là, mon moi il m'a dit ouais vas-y je vais faire mes excuses tout de suite à chaud là. Bah vas-y, normalement il faut jamais faire des excuses à chaud, mais là il va les faire à chaud. Bref, juste autre petite chose les frérots, juste un truc ta gueule. Juste un truc, rejoignez-nous en stream, vidéo très importante à 22h, bah de celui qui aura perdu entre moi et Enzo et qui ira faire de la motocross dehors en caleçon, parce que je vous le rappelle, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui est sortie tout à l'heure, la première motocross en caleçon pour le perdant du match Real Madrid Liverpool. Donc voilà, je suis pour le Real, il est pour Liverpool, donc en gros si le Real gagne, c'est lui qui finit en caleçon dehors en motocross à se balader dans le quartier. Si c'est le Real qui perd, c'est moi qui finis en caleçon dans la rue en train de faire de la motocross dehors. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, il faut 20 000 likes pour qu'on lance le défi pour ce soir. Voilà, allez mettre les 20 000 likes sur la vidéo, elle est sortie, c'est la première vidéo qui est sortie. Go 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 go, go la voir en masse. Je compte sur vous, go la liker surtout si vous voulez que le défi ait lieu ce soir. Et si vous voulez la vidéo à 22h du coup, d'où on se balade avec la motocross en caleçon. Alors à tout à l'heure, prenez soin de vous et de la Mifa. C'était tout pour aujourd'hui, ciao ciao. C'est pas la fin de la vidéo. Vas-y, vas-y, t'inquiète, vas-y, vas-y, tu peux parler maintenant. Okay, voilà, okay, bon. Momo voulait parler, voulait s'adresser à vous. On vient de finir la vidéo précédente et Momo a voulu vous faire ses excuses tout de suite. Je pense à vous et pour quelqu'un d'autre. Je laisse, j'arrête de parler et puis voilà. Je laisse. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai fait une vidéo, excusez l'IA. Comme vous avez dit, ouais, c'était pas sérieux. Il a fait que pleurer en fait, non, il a fait que pleurer. T'as fait que pleurer dans la vidéo. Non mais je te parle de l'ancienne. De la vidéo. Ah oui, l'ancienne, oui, l'ancienne, t'étais pas dedans. Tu faisais un truc en même temps. Tu faisais quoi en même temps, tu as vérité. Je regardais Naruto mais genre j'ai fait pause. D'accord, vas-y. Okay. Et donc voilà. Et comme je vous ai dit, voilà, je m'excuse envers l'IA. Parce que voilà, je m'en suis vraiment voulu d'avoir insulté l'IA. Naruto, ouais, je sais, c'est bon. Je m'en suis vraiment voulu d'avoir insulté l'IA parce que comme Abdelmoula dit, elle m'a fait grandir. Je la connais pas depuis un an, ni depuis deux ans, je la connais depuis 7 ans. 8, bientôt. 8 ans. Et donc voilà, c'est difficile après. Vous voyez, moi j'avais peur qu'elle soit plus comme avant et tout, qu'elle a vraiment mal pris ce que je lui ai dit. Mais genre qu'elle le prenne vraiment, vraiment mal et qu'elle soit plus comme avant. Et voilà. Ouais. J'espère qu'elle ne voudra pas trop. Et elle te connaît depuis que t'as 7 ans en fait. Voilà, depuis que t'as 7 ans, elle te connaît. Voilà. Bah, c'est ça ce que je dis. Depuis que t'es encore plus petit que Norhen, elle te connaît, elle a toujours pris soin de toi. Quand on va à Carrefour, elle me dit achète ça pour Momo, elle pense toujours à toi. Et comme le dit maman, on est même plus, c'est même plus ta belle-sœur et ton frère. C'est, on dirait qu'on est tes parents, on prend toujours soin de toi. Vraiment, on prend vraiment grave soin de toi. Et Elia, elle prend beaucoup soin de toi. Après, ma femme, elle te connaît, contrairement aux abonnés, elle te connaît, elle sait que t'es quelqu'un qui a des mauvaises excuses, qui a des excuses pourries. Mais comme je te le dis la dernière fois devant les abonnés, la fierté, tu la gardes pour tes potes, pas pour ta famille. Avec la famille, il n'y a pas de fierté. Les abonnés te diront, hein. Quelqu'un qui s'excuse envers sa famille, on le considère comme un homme. Quelqu'un qui manque de respect à sa famille et qui ne s'excuse pas, c'est ça une pute. Parce que, à la limite, avoir une fierté, oui, mais avec les bonnes personnes, comme je te l'ai dit. Avec les bonnes personnes. Il faut que tu apprennes autre chose. Et ça, je te l'ai dit dans la vidéo précédente de tout à l'heure. Je sais que tu es jeune, Mohamed. Je sais que tu fais pas attention. Mais apprends à les respecter individuellement. Mmh. Faut pas être au-dessus. Je suis pas au-dessus. Des fois, tu fais un peu comme si t'étais au-dessus. Ok. Dis-toi, t'as une chaîne qui est sympa, t'as plus d'abonnés que certains, ok. T'es au-dessus en termes d'abonnés, mais autant que personne, tu dois limite encore te mettre en dessous pour pas montrer justement que Zarma, t'es un mec qui prend la grosse tête. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu dois encore limite te mettre en dessous. Ok. Faut rester noble. Je note ça, mec. D'accord? Voilà. T'as un dernier truc à rajouter avant la fin? Pour les abonnés? Ouais. Bah que je vais tout faire pour vous régaler. Voilà. Et on verra bien, comme j'ai dit, d'ici là. À la fin du mois, parce qu'il reste encore un mois et demi avant qu'on parte à Cannes. On verra, c'est d'ici un mois et demi, il méritera de partir à Cannes. Parce que c'est vrai que moi d'un côté, comme je l'ai dit hier, hein, y a un ange par là, un diable par là, l'ange qui me dit vas-y, laisse-le cette petite merde, il va te regarder à Cannes. Non, l'ange il me dit ramène-le à Cannes, c'est ton frère Meskin, en plus tu vas ramener son pote. Et de l'autre côté, j'ai le diable, il me dit quoi? Il me dit ramène-le pas, il va vous regarder cette petite merde, il va vous regarder à travers l'écran, vous allez faire plein de vidéos avec Kenny, Enzo, Lia, vous allez vous régaler, vous allez faire des vidéos, vous allez nager avec des dauphins, piscine, jacuzzi, vous allez faire un vlog pour le voyage, vous allez vous régaler, et lui sera derrière son écran en train de vous regarder comme ça. En train d'avoir la haine que vous avez ramené son pote à sa place.
Tu vois, j'ai le diable là, il est enragé de ouf. Hein. C'est pas grave. Il veut pas que je te ramène. Hein. Il y a la piscine municipale. Ouais, bah non, c'est pas la piscine privée, mon pote, la piscine municipale. Piscine municipale, quand j'allais, moi aussi, tu peux me croire que. Ouais, il me lâchait aussi, mon pote, hein. Je faisais mon petit pipi des fois quand j'avais la flemme de sortir. Bref, non, plus sérieusement, les frérots, en tout cas, voilà, ça sera à vous de décider, comme je dis. On verra dans un mois. On verra ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. En tout cas, comme vous savez maintenant, on a dit que c'était prison break s'il fait le con. Pour l'instant, il fait pas le con, tout va bien. S'il fait le con, si je vois qu'il y a de la merde, il fait de la merde. Il sait que ça va chier. Bref, juste prenez soin de vous et de la mi-fa. On voulait pas vous faire une vidéo de 50 minutes. Hein. Je pense qu'on a fini. Oui. Un dernier truc à rajouter pour la fin, peut-être ? Prenez soin de vous. Et de la mi-fa. Prenez soin de vous de vous, quoi. D'accord, ok. Prenez soin de vous et de la mi-fa. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. Ciao ! Ciao ! Ces excuses sont pourries, mais n'oubliez Arrête, pas. Ils sont pas pourries, ils sont pour moi, toujours des excuses pourries. De toute façon, je le connais. Dites-nous dans les commentaires si ce sont mêmes excuses. Il les a écrits, j'en suis sûr. Starful, là. I talk to you, take my hand.